Bonjour, je suis Anne-Valérie Boulet, directrice générale des Dés Santé. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter, de vous offrir ce projet qui a été mené à l'initiative de Paulette, une infirmière de l'unité de Perpignan, qui a souhaité donc que nous échangions de bons procédés avec un grand chef au domaine de Ribérac, donc le chef Lemal, qui a accepté de partager avec nous ce projet et de réaliser des recettes faibles en potassium et en sel pour que nos patients dialysés puissent accéder à des recettes d'exception malgré le régime qui les contraint tous les jours. Isabelle a rencontré Laurent Lemal, chef du restaurant Le Domaine de Ribérac, Bocuse d'Or France et une étoile au guide Michelin, qui a élaboré sur ses conseils diététiques et ses exigences de régime des recettes adaptées aux patients insuffisants rénaux. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on peut cuisiner gastro justement en évitant de mettre trop de sel, en donnant quand même du plaisir et du goût aux aliments consommés? C'est vrai que je pense que, comme certains de mes confrères, on travaille par réduction et par concentration d'arômes. Donc c'est vrai que quand on démarre des jus de viande ou des jus de poisson, le fait de les réduire, alors paroxysme on va dire, et légèrement les monter à l'huile d'olive ou au beurre, pourquoi pas. Mm-hmm. En fait, on se rend compte qu'on n'a pas du tout besoin de saler ces sauces ou ces bases. Mm-hmm. Et du coup, ça nous permet d'avoir des goûts qui sont corsés. Et c'est vrai que les gens, ils ont souvent la difficulté de la perception entre le salé et le corsé. Nous, mm-hmm. on fait plutôt une cuisine corsée et on met peut-être juste une pointe de fleur de sel à la fin sur la viande si mm-hmm. c'est nécessaire. Quelles sont les associations que vous faites le plus souvent entre certaines herbes et certains mets? J'aime bien par exemple le veau et la sauge, je trouve que c'est des mets qui sont complémentaires, l'estragon et la volaille, mais j'aime beaucoup aussi. Légèrement léger le romarin, on va dire, avec le bœuf quand c'est bien grillé, parce que c'est plus des plantes aromatiques assez puissantes, donc c'est assez particulier. Et après, je sais que j'aime bien aussi un peu de cerfeuil avec le poisson, ou un peu de basilic avec une salade de tomates, c'est parfait. Très bien, ben, c'est très très bien parce que ce sont des associations que peuvent faire aussi les gens qui dialysent justement vis-à-vis du potassium, il n'y a pas de souci et au contraire ça permet de ne pas mettre beaucoup de sel en même temps dans les préparations, donc c'est vraiment très très bien. Tout ce dont on vient parler avec les contraintes, est-ce que quand même ça vous stimule de penser à ce type de menu? Non, c'est vrai qu'avec mon équipe on se challenge, donc... Pour nous, ça peut être intéressant justement de faire voir et de prouver à ces personnes qui sont malheureusement malades que tout est possible quand même, quoi. Oh ben super, alors merci bien. Bonjour, je m'appelle Julien Montassier, je suis le sous-chef de Laurent Lemal à l'hôtel-restaurant Ribérac à Bel-Estang. Aujourd'hui, nous avons préparé un menu pour les patients dialysés où nous avons utilisé le minimum de sel et de potassium. Donc, bien entendu, c'est un repas où il faut passer un peu de temps en cuisine, qu'il faut avoir envie de rechercher des beaux produits et de les sublimer. C'est ce que nous avons essayé de faire. Pour l'apéritif, nous avons préparé un cappuccino de butternut, un œuf brouillé siphonné. Pour l'entrée, nous avons préparé le Végétal Attitude, qui est un plat exclusivement composé de légumes sous différentes textures. Et ensuite, nous vous avons préparé une caillette d'agneau et une semoule épicée.